J'ai décidé il y a 2 ans de lancer une association qui s'appelle Forum des débats sur le bien commun, dont l'objectif est de construire une ingénierie numérique, des outils facilitant la réalisation de débats sur le bien commun. Comme cet outil est innovant, de faire travailler conjointement des entreprises informatiques innovantes et des citoyens sur cet outil. Alors le bien commun, c'est ce qui concerne, le commun c'est le mot anglais, hein, c'est ce qui concerne une communauté du genre commune, c'est le bien des communes, une communauté d'une taille identifiée. Débat sur le bien commun, c'est comment faire pour que les gens discutent ensemble de leurs problèmes et de façon efficace. Alors, ingénierie du débat sur le bien commun, c'est dire ben aujourd'hui il y a des appareils qui t'enrichissent, il y a des machins, des trucs, etc. Comment faire pour que la discussion collective puisse apporter les gens à changer éventuellement leur représentation du problème, et éventuellement trouver des solutions, et qui leur appartiennent, et qui soient ancrés sur du débat, et non pas sur de l'indexation faite par d'autres de leurs débats. Mon initiative, elle est sur une ingénierie du débat public, qui apporte donc des outils d'annotation collective de débat public pour permettre d'avoir en temps réel une possibilité d'animer, d'identifier les points sur lesquels on peut avoir des reprises, organiser les conversations, etc. C'est une ingénierie du débat public qui permet d'élever le débat. Comment on peut élever le débat? C'est en étant capable en temps réel de revenir sur une discussion, en étant capable d'identifier les points sur lesquels l'Assemblée souhaiterait avoir des approfondissements, et en étant aussi capable, en ancrant sur le débat en cours, d'éviter des phénomènes pervers du débat, comme les beaux parleurs, les manipulations, etc. etc. C'est de gonfler des sphères d'attention. Alors ça correspond un peu à ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un qui a une idée, un déclic, une belle idée. Comment faire autour de cette idée s'enfler comme une montgolfière, une sphère d'attention de la société sur cette idée, dont l'effet rebond, c'est que la personne qui a l'idée a un écho de son idée, de la façon dont cette idée peut bouger, grandir, évoluer, etc., qui le nourrit lui-même. Il y a des philosophes qui appellent ça une idéosphère. C'est la discussion entre amis où on peut tous dire, et finalement ça se termine bien, et tout le monde en profite. Ce qui est intéressant, c'est de voir si des nouvelles méthodologies, une nouvelle approche, qui renouvelle donc des approches un peu formelles, peut avoir un effet concret, effectif. Par exemple, si je travaille sur le débat, je me rendrai compte que si je travaille sur un millier de débats, s'il n'y a pas ces débats, je ne verrai rien. Et quand on regarde le débat, ou ces petites idéosphères, on pourrait voir ça comme les unités du jeu social, donc comme une cellule. Une petite sphère d'attention, c'est une sorte de cellule avec son métabolisme, ses interactions, ses entrées, ses sorties, qui, elle, faudrait donner aux gens l'habitude de la voir. Et à ce moment-là, on aurait un problème à peu près équivalent sur lequel on pourrait travailler avec plus de rationalité. Il y a le moment où on était Copernic, bon, le moment où on était centré sur la Terre, Terre centre du monde, Soleil centre du monde, etc. Et il est arrivé donc à la relativité générale où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de centre dans le monde et que le monde était une immense structure géométrique à 4 dimensions, qu'on peut se poser de nouvelles questions, qui étaient par exemple sa courbure. Est-ce que l'univers se gonfle, se rétracte, est plat, etc. Ces questions qui datent de Poincaré, qui datent de 110-120 ans. Donc ça a été la géométrie de cette époque nous permet de voir, comme une sorte de sphère, le monde en extériorité. On peut se poser des questions en disant est-ce qu'il se gonfle, est-ce qu'il diminue, etc. Et quand on regarde, si on fait une sphère de l'attention de faire du débat, l'idée ce serait d'avoir la même chose, d'être capable de le regarder en extériorité pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses grandeurs, de le lancer comme ça. Alors un des projets que je vois un petit peu comme ça, c'est de considérer la planète, qui est une sorte de sphère, et sur laquelle il se passe des choses, en particulier dues à l'action humaine, et ce qui est normal, puisque l'homme est 6 milliards de personnes, c'est normal qu'il bouge les choses, et qu'il puisse y avoir une vision en extériorité
de la sphère de l'attention que l'homme procure à la planète. Je pourrais dire le débat public, c'est trop sérieux pour être laissé aux scientifiques, aux économistes, aux politiques, etc. En tout cas, c'est la phrase un peu redonnant dans quel vent le débat public, ou donnant-lui ses lettres de noblesse, pour que ce soit donnant-lui sa dignité, pour pas que ce soit la chose la plus manipulée comme c'est aujourd'hui. C'est comment il y a quelqu'un qui est une source. Il est une source d'une idée, d'un truc marrant, un truc sympa, etc. Il la pousse. Comment faire autour de lui des gens qui réagissent à ça, et autour de ces gens qui réagissent à ça, des gens qui observent les gens qui réagissent, pour que l'ensemble fasse une sorte de bulle dans laquelle ça va vivre. C'est que l'habit censure le corps. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outils sérieux de débat public. On utilise ce qui tombe sous la main, on écrit collaborativement, on fait des vidéos, etc. Mais il n'y a pas eu une réflexion sur qu'est-ce qu'un débat aussi poussée que celle qui existait par exemple du temps d'Aristote, parce que lui il a travaillé sur le débat public, parce que Platon, pareil, c'était comment flinguer les sophistes, les manipulateurs de leur époque. Et nous, aujourd'hui, il n'y a pas une vraie discussion comment flinguer les manipulateurs de notre époque. Comment identifier les beaux parleurs? Et les beaux parleurs, on les subit, on ne sait pas les identifier facilement. Donc dans cette ingénierie du débat public, l'un des éléments importants, c'est l'identification des beaux parleurs d'aujourd'hui. Et donc comment éviter des manipulations un peu trop grossières. Et des débats qui sont plutôt des luttes d'opinion, de la communication médiatisée, où des journalistes peuvent parier qu'ils emmèneront les autres à discuter de ça, parce que en un quart d'heure, enfin beaucoup de manipulations. La situation actuelle où chacun fait pour optimiser des intérêts locaux, du genre mon travail, mon industrie, etc. Et ce qui fait qu'on est dans une situation où chacun voit un optimum local autour de lui, sans souci d'une harmonie, c'est-à-dire de par je te donne un exemple autre, si tu dis ce serait quand même bien qu'il y ait moins de pauvreté sur la planète, tu auras forcément des gens qui diront mais les pauvres c'est leur faute, c'est moins de pauvres, il y a des solutions radicales, diront d'autres. Donc tu auras, c'est des situations, des problèmes que tu peux écarter. Ou bien, alors que si tu prends un problème comme le réchauffement, résultat de l'activité humaine, il concerne tout le monde, sans qu'on puisse dire il faudrait moins de climatologues peut-être. Enfin, ça devient ridicule, quoi. Les gens ne peuvent pas considérer ce problème sans le considérer sur une manière globale. C'est une histoire de 10 ans. C'est que j'ai travaillé au CNRS, je travaille en intelligence artificielle sur plein d'outils d'analyse d'objets complexes comme des molécules, les séquences génétiques. Je vais même travailler sur la prévision sismique. Donc j'ai toujours fait des outils pour chercheurs d'aide à la découverte. Et sur la fin, je me suis intéressé donc au droit aussi, la nature du raisonnement juridique. Et je suis arrivé par accident au débat public sur les débats sur les chartes des parcs nationaux. Et à ce moment-là, je suis arrivé dans un monde extrêmement étrange où il y avait des politiques, des sociologues, des anthropologues, des administratifs, des citoyens. Et tout ce monde-là était dans une collégialité un peu bizarre, beaucoup de conflits, beaucoup de craintes. Et moi, je n'avais jamais finalement travaillé en sciences humaines. Donc j'ai découvert ce monde-là il y a 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'il était assez important que l'on puisse aborder le problème du débat comme étant pas simplement une manière d'enfumer les autres, une manière d'avoir pouvoir, une manière de le conserver, une manière de manipuler, quoi, mais que ce soit également quelque chose de sérieux, comme le sont les débats en sciences. Une soutenance de thèse, c'est un débat, un exposé, c'est un débat, etc. De donner ses lettres de noblesse au débat public sur des biens communs. C'est un problème de convention. C'est-à-dire que le débat Sorbonnard, le débat en sciences, qu'elle soit dure ou pas dure, ça s'appelle la disputatio, la dispute. Et c'est vieux comme la Sorbonne.
et dans lequel on va codifier ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les types d'arguments, etc., de telle façon que ça fasse avancer une connaissance commune ou une représentation du problème qui va évoluer. Alors que dans les débats tels que je les voyais, c'était beaucoup plus une manière de faire accepter des décisions venant d'en haut. Donc, ce qui n'était pas, donc ce qui faisait que les politiques avaient peur du débat, parce qu'ils avaient peur de ne pas le maîtriser. Alors qu'un débat, normalement, il ne faut pas qu'il soit maîtrisé, c'est pas le jeu. La connaissance rationnelle, elle est petite par rapport à la connaissance tout court. Si j'appelle rationnel, le fait d'énoncer des choses qui ne soient pas à la fois vraies et fausses, et que l'on puisse décider comme ou vraies ou fausses, c'est très peu. Il y a énormément de connaissances. Par exemple, je te donne un exemple, le droit, qui est considéré comme un art et une science en même temps, n'est pas rationnel dans, selon cette définition. Parce que le juge a l'obligation de juger, donc de dire vrai ou faux, mais il n'a pas l'obligation que son jugement soit cohérent, c'est-à-dire pas à la fois vrai et faux. Et s'il y a de nouvelles informations qui arrivent, ben on fera un jugement. C'est une erreur que d'imaginer que la rationalité s'empare du monde. La rationalité s'empare d'une forme de discours sur le monde. La première chose, c'est que comme personne ne l'a vraiment fait pour l'instant, il faut habituer le public à ce que le numérique ne soit... si je prends mon téléphone et que je te photographie au moment où tu parles ou que je t'enregistre au moment où tu parles, pour l'instant, ça peut être vu comme choquant. Donc, à s'habituer à l'idée que utiliser le numérique en situation de dialogue ou de rencontre, c'est pas inconvenant, c'est pas incongru et que c'est positif pour tout le monde. Parce que ces machines-là sont des enregistreurs qui permettent des analyses, qui permettent de la communication supplémentaire, qui peut être fort utile dans une analyse en temps réel d'un débat. Donc ça veut dire qu'il y a un geste nouveau que les gens n'ont pas. J'ai un atelier et sur lequel je voudrais montrer comment on peut faire une annotation collective lors d'un débat. Et comme personne ne l'a jusqu'à présent fait, et que c'est la première fois que je teste en espérant que les machines ne vont pas me lâcher, je vais le faire en plusieurs temps. Le premier temps, c'est d'avoir des vidéos très courtes, assez courtes pour pas embêter le monde, d'une minute, de deux minutes, lors desquelles je demande aux gens de les annoter collectivement. Pour cela, ils vont utiliser leurs ordinateurs ou leur téléphone et ils vont avoir deux attitudes. Une première attitude consistera à dire « je suis en gros d'accord, en gros pas d'accord » ou bien « il me manque des choses pour affiner ma position ». Et ceci, je ne sais pas qui clique, ça donne une information sur la ligne de temps de la vidéo qui a été enregistrée, qu'ils annotent. Et d'autres, alors on peut appeler ça les collaboratifs. Et il y a d'autres qu'on peut appeler les contributifs qui, eux, prennent ce que je viens de dire et disent « là, son propos c'était de parler de ça ». Quand il a parlé de ça, il a évoqué cette idée et celle-là, et il en a parlé, par exemple, en donnant un exemple. Donc, ils décrivent collectivement ce qui a été dit pour mettre des points de repère. À la fin des deux minutes, le système simplement additionne la vision coopérative, collaborative et contributive, et fait que l'animateur peut dire à ce moment-là, les gens étaient... comprenaient rien au moment où tu parlais de ça ou de ci, où là les gens sont très partagés, donc on pourrait leur redonner la parole, etc. Donc j'utilise donc le résultat de cela, revient à donner en temps réel la possibilité de relancer le débat. Ben, par exemple pour vous, ce qui serait très amusant à faire, c'est quand tu fais une vidéo d'un quelqu'un qui a une idée qui te plaît bien, tu sollicites un groupe de contributifs à qui tu demanderais d'annoter cette vidéo, celle-là directement, et un groupe de coopératifs à qui tu dirais de donner son sentiment sur... voilà. Donc, ayant fait ça, ces annotations-là, puisque tu estimes être arrivé à peu près à avoir fait le tour de la question de ton territoire, permettrait de mettre en lien une vidéo, soit avec des vidéos de complément qui viendraient parce que des gens ont dit ça leur a donné des idées, ils ont eu envie de discuter plus avant,
soit des mettre en relation avec des vidéos déjà existantes, en disant là tu rencontres le même problème qu'à tel a rencontré. Et bien sûr, lui il parlait de, je sais pas, de chèvre, et toi tu parles de chou, mais quand même à cet endroit-là, le problème était celui-là, commun, son expérience c'est de le prendre comme ça. Je fais partie d'un groupement de recherche du CNRS qui s'appelle PARC, pour Participation, Action, Recherche, Sciences, Citoyens. Et on est en train de lancer un débat avec 1 million de vidéos touchant les lycéens, les collégiens, etc. Un débat citoyen pour créer une espèce de sphère de l'attention sur le réchauffement climatique. De telle façon que le débat sur le réchauffement ne soit pas que l'affaire des politiques, des grosses industries, etc. Un peu comme on a entendu tout à l'heure, du haut vers le bas. Bien sûr, c'est important, mais du bas vers le haut, c'est important aussi.